crever quand je meurs, vida loca. Un pied dans le din, un pied dans le péché, paumé. Bloqué entre deux vies quand je meurs, vida loca. Un jour on s'aime, un jour on se fait la guerre. Ah ouais. Salam à toutes et à tous les amis, c'est Rastas, j'espère que vous allez bien. Eh ben moi ça va super, donc ça fait longtemps que j'ai pas montré mon visage, ça fait plaisir de vous revoir la team Rasta. Donc dans cette vidéo les gars je vous propose autre chose. Donc merci déjà, merci à Wish alias La Crème de m'avoir proposé ce style de vidéo. Désolé, donc qu'est-ce que j'allais dire. Dans cette vidéo je vais vous raconter une petite blague. Et puis, en attendant que je vous raconte la blague, allez-y dans les commentaires. Posez des questions parce que je propose une FAQ. Voilà, merci La Crime. Elle m'a donné cette idée. Je l'ai déjà fait. Excusez-moi, je bouge juste ma caméra. Voilà, je l'ai déjà fait. Comment dire, je l'ai déjà fait il y a un an de ça, on va dire. Je ne me rappelle plus. Là, je vous propose une deuxième. Donc, n'hésitez pas à proposer vos questions. Et puis je répondrai prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Donc je vous explique la blague, j'espère que ça va vous faire rire. Moi personnellement j'ai éclaté de rire, c'est une vraie histoire en fait. Donc c'était... faut que je me rappelle, c'était... Enfin bref, on s'en fout, c'était mardi, mercredi, on s'en fout, on raconte direct. J'arrive au boulot en fait. Je vois mon collègue, ouais, bonjour, salut, on parle de tout et de rien. C'est une vraie histoire, les gars. Ouais, donc, en attendant, on se prenait un café, lui fumait sa clope et tout. Et un autre collègue, je citerai pas son prénom, je préfère qu'il reste anonyme. Il y a un autre collègue qui arrive. Et puis, comment dire, le mec qui était à côté de moi, il vient, il regarde le collègue qui arrive. Je lui dis, attends, j'ai oublié de préciser une chose. Le mec qui arrive après, en fait, il est chauve, il a pas de cheveux, en fait. Il est très très blanc, en fait. Donc le mec qui était à côté de moi, en fait, il lui dit, hey mec, ta tête, elle ressemble à une fesse. Je vous jure, les gars, il lui a dit... Sérieux, le mec il lui a dit, hey mec, ta tête elle ressemble à une fesse. Et moi les gars, à côté de lui, j'étais éclaté de rire, j'en pouvais plus. Je m'y attendais pas qu'il allait dire ça. En fait, au moment qu'il lui a dit, je l'ai regardé et puis je regarde sa tête, je dis, non, elle est normale sa tête, y a pas de souci. Après, le mec il se retourne et je vois sa tête de derrière, les gars, j'ai éclaté de rire, mais j'en pouvais plus en fait. La meilleure de tous, vers midi, c'était la pause quoi, pour aller manger. Donc on sort tous entre collègues, ouais, voilà et tout. Et qu'est-ce qu'il lui dit, mon pote, tu lui dis, non, pardon, le chauve là, il a mis un bonnet en fait. Et mon pote lui dit, hey mec, alors, on couvre la fesse. Ah putain, j'étais mort de rire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous a fait rire. Moi, personnellement, ça m'a fait rire. En fait, la façon qu'il l'a dit, c'est ça qui m'a fait rire, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Dites-moi ce que vous en pensez de la blague, j'aimerais bien savoir. Et puis voilà, portez-vous bien. A plus, Terrastas, ta grosse tête, voilà.